Au début du XXe siècle, l'American Tobacco Company, qui possédait la marque de cigarettes Lucky Strike, avait un problème. Il existait à l'époque un tabou par rapport aux femmes qui fumaient des cigarettes en public. C'était un problème parce que ça les privait de 50% de clients supplémentaires potentiels. Et pour régler ce problème, ils firent appel à Edward Bernays. Edward Bernays était un ancien journaliste qui avait travaillé pour le Comité d'information publique des États-Unis. Son job pour le gouvernement consistait à s'assurer que le peuple soutenait la décision des États-Unis de participer à la Première Guerre mondiale. Plus tard dans sa vie, il déclara que la seule chose qu'il avait apprise pendant ce temps était que les techniques de propagande utilisées en temps de guerre pouvaient tout aussi bien fonctionner en temps de paix. Bernays qualifiait lui-même son travail de propagande. Donc, comment est-ce que Bernays s'est débrouillé pour pousser les femmes américaines à aller contre les tabous en fumant des Lucky Strike? Bernays eut une idée intéressante. Il décida de lier l'image des femmes qui fument à l'image de la libération de la femme face à l'oppression masculine. Pendant la parade du dimanche de Pâques de 1929 à New York, il réussit à convaincre un groupe de jeunes starlettes de cacher un paquet de Lucky Strike sous leur jupe. À son signal, les femmes devaient toutes sortir les cigarettes et se mettre à fumer en défilant. Tout se déroula comme prévu et la presse se jeta sur l'événement, ce qui était bien entendu le but de l'opération. Il appela les cigarettes les torches de la liberté pour appuyer le fait que les femmes fumaient pour montrer leur indépendance face aux hommes. Il avait donc rassemblé plusieurs facteurs. Les jeunes femmes qui étaient d'une certaine façon des modèles pour la population féminine, un idéal qui était la libération de la femme et qui pouvait être symbolisé grâce à la transgression du tabou des femmes qui fumaient en public. Et finalement la phrase accrocheuse pour décrire les cigarettes qui allait être prise par les journaux, les torches de la liberté. Dès le lendemain, tous les journaux du pays avaient relayé l'information, y compris le New York Post qui réserva une colonne en première page pour cet événement. Et bien sûr, les ventes de cigarettes s'envolèrent. Au début du XXe siècle, les produits étaient vendus sur une base de nécessité. Si on souhaitait vendre des chaussures, par exemple, on allait mettre en avant le fait qu'elles étaient confortables et durables. Mais c'est Bernays, encore une fois influencé par le travail de son oncle Sigmund Freud, qui décida d'associer les produits avec des idéologies ou avec un certain prestige social. L'idée de base étant que les gens expriment leur identité personnelle à travers leur façon de consommer. Il existe d'ailleurs une citation très directe et révélatrice de Paul Mazur qui travaillait en 1930 pour Lehman Brothers. « Nous devons changer l'Amérique d'une culture du besoin à une culture du désir. Le peuple doit être entraîné à désirer, à vouloir de nouvelles choses avant même que la chose précédente n'ait été complètement consommée. Nous devons modeler une nouvelle mentalité en Amérique. Les désirs d'une personne doivent éclipser ses besoins. » Mais Bernays ne s'est pas limité à des coups de marketing originaux pour vendre des produits à la masse populaire. Vers le milieu du XXe siècle, le gouvernement du Guatemala changea d'un gouvernement autoritaire à un gouvernement populaire qui chercha à redonner le contrôle du pays à son peuple. À l'époque, la United Fruit Company, une grande entreprise américaine, exploitait les terres du pays ainsi que sa main-d'œuvre très peu chère pour cultiver des bananes en grande quantité. Le nouveau gouvernement du Guatemala, qui avait introduit le salaire minimum et qui redonnait des terrains aux paysans locaux, n'était clairement pas dans l'intérêt de l'United Fruit Company. Ils décidèrent donc d'engager Bernays pour mener une campagne d'information publique, ou plutôt de désinformation publique. Bernays les aida à convaincre le peuple américain que le gouvernement du Guatemala était une menace communiste extrêmement proche du pays. Alors que la CIA organisait un coup d'État en armant et en soutenant un groupe rebelle mené par un ancien officier de l'armée du Guatemala, Bernays s'occupait de la communication avec le peuple américain en étant la source principale d'informations sur l'état du conflit. Suivant la stratégie d'Edward Bernays, la United Fruit Company distribua un rapport anonyme sur le Guatemala à tous les membres du Congrès et à tous les sculpteurs d'opinion publique nationale visant à soutenir l'action des États-Unis pour renverser le nouveau gouvernement du Guatemala. Les rebelles étaient décrits comme des défenseurs de la liberté au Guatemala et le gouvernement élu démocratiquement était décrit comme une menace communiste. En juin 1954, le coup fut réussi et le leader des rebelles, Castillo Armas, prit possession du pays. Donc voilà comment Bernays aida à manipuler les masses pour le profit de ses employeurs. Il manipulait les perceptions du peuple en utilisant des moyens de communication de masse comme les journaux populaires de l'époque et en faisant appel à des figures d'autorité pour délivrer les messages de propagande. En 1928, il publia un livre intitulé « Propagande » et il nota plus tard dans son autobiographie que son livre avait été lu et ses techniques utilisées par le leader de la propagande nazie, Joseph Goebbels. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht.
besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Bernays devenait de plus en plus réputé dans les hautes sphères de la société. En 1924, le président des États-Unis de l'époque, Calvin Coolidge, le contacta pour améliorer son image face au public. À ce moment-là, le président avait l'image de quelqu'un de taciturne et d'ennuyeux, et il souhaitait donc changer ça avant les élections de la même année. Bernays décida d'employer les mêmes techniques qu'il utilisait pour vendre des produits. Il contacta alors une bonne quarantaine de stars du cinéma très populaires à l'époque et les invita à la Maison Blanche pour un petit déjeuner. Le but était de montrer que le président était quelqu'un d'aimable et de chaleureux. Encore une fois, l'opération fut un succès et tous les journaux parlèrent de l'événement dès le lendemain avec des titres comme « Le président a presque souri ». Ce changement d'image face au public a très certainement aidé à sa réélection. Mercredi prochain, nous allons voir comment les mots que nous utilisons influencent non seulement notre façon de penser, mais aussi nos capacités. Nous parlerons donc de comment manipuler le langage pour manipuler les masses. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui décident de m'aider financièrement, alors que ça soit en me tipant sur Tipeee ou en me tipant en Bitcoin, Ethereum ou autres crypto-monnaies. Croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez trouver toutes les sources utilisées dans la description de cette vidéo où vous trouverez aussi les liens vers les musiques utilisées. Donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et bon week-end !